Salut, salut! Bienvenue à toutes et à tous! Bienvenue sur Another Homepage! Comme toujours, je suis Nils et la musique s'est arrêtée, on dirait. Ah non, elle s'est pas arrêtée, c'est juste qu'elle est un peu faible. Hop, voilà! Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode du dimanche et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un peu de réseau dans toutes les idées que j'avais évoquées, je me suis dit que celle-ci, ça pourrait être pas mal. En termes de préparation, je suis comme toujours à l'arrache, mais on va voir comment ça se passe. Salut à toi, The Vengeur, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc, on va causer un peu réseau, alors. Par où est-ce qu'on va... Trifouiller du Cisco, je sais pas. Bon courage en tout cas pour ce petit passage, pas forcément, pas toujours évident. Et si tu dois le faire, j'imagine qu'elle est jeune et je sais plus. Je crois que si tu nous avais dit quand, je crois que ça fait pas très longtemps que tu l'as ta fille, The Vengeur. Je sais plus si on t'avait félicité pour la naissance. Toi et madame, de fait. Donc. C'est écrit là-haut. On va faire des bidouilles réseau. Et notamment, on va jouer avec un switch de marque Cisco. Alors. Elle a 6 mois et... Ok, ouf. Me voilà rassuré. Alors. Je me doute que c'est pas forcément le cas, mais je vais partir du principe quand même que globalement, tout le monde a une petite idée de à quoi ressemble une adresse IP, de un peu ce que c'est. Salut à toi, Zeu ! J'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end. En gros, l'idée, c'est que ça fait un petit moment que j'ai pas touché d'équipement réseau. Vraiment matériel. Alors non, le vilain coco, ce sera pas du GNS3, ça va être du physique et justement je vais vous montrer. Non, on va même pas causer de... Et d'ailleurs, bienvenue à toi, le vilain coco, First Time Chat en plus. Merci de te joindre à nous. Il y a quand même des bases à avoir. Alors c'est juste que on va vraiment partir sur du sur des trucs alors qui peuvent... pour être honnête avec vous, je suis ignare en IPv6, donc ça pourrait être une idée, hein, C4, de faire des streams découvertes d'IPv6. Alors, le vilain coco, un catalyste 3750, la dernière fois que j'ai vu un 3750, c'était... Oh punaise. Je crois que c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Ah non, 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 pas tant que ça. Je crois que le dernier 3750 que j'ai dû voir, c'était en 2016. Peut-être 2018. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on va quand même aller faire joujou avec du vieux matos, mais peut-être pas à ce point-là. Mais en gros, que je vous explique. On va commencer déjà avec un truc. Je vais essayer de faire dérouler, de dérouler un peu les idées que j'ai. Et puis, j'ose espérer que les choses se... que ça va se passer de façon fluide. En gros, ce que j'ai envie de montrer, et aussi parce que je sens que ça fait longtemps que j'ai pas touché à des équipements réseau et que j'ai envie de garder un peu la main, je sens que j'ai déjà oublié des trucs, par exemple, donc ce sera l'occasion pour moi de réapprendre, je pense que pour beaucoup de gens, quand on parle d'un switch, on pense à ça. Voilà. Alors ça, c'est un petit switch 5 ports, gigabit Ethernet, fort heureusement, que j'ai acheté, quelque chose comme 20 ou 30 balles chez Action. La raison pour laquelle je l'ai acheté,
à la base, c'est que je me suis dit que ce serait marrant, un de ces quatre, d'essayer deux choses avec ce Switch. D'abord, de voir s'il est vraiment capable de tenir les 5 ports en giga. Parce que le truc est quand même... le truc dit quand même que voilà, il y a 5 ports giga. Switching capacity 10 gigabits par seconde, non-blocking. C'est écrit. Hein. Voilà, alors je me doute qu'avec la caméra, ça va pas être évident. En plus, ça brille sur le packaging. Mais voilà, bon, c'est un petit truc de chez TP-Link. Ils annoncent 10 gigabits par seconde, donc de capacité de switching. Donc en gros, bah, c'est très simple, hein, c'est 1 giga en up, 1 giga en down. Donc à la limite, ça pourrait être amusant de faire ça, un de ces quatre. Et aussi parce que quand on regarde attentivement au niveau des, de l'information dessous, là, vous savez qu'il y a toujours les trucs... c'est toujours... alors oui, effectivement, c'est un TP-Link, il y a moyen que ça les tienne. Mais ce qui est assez marrant, alors déjà d'une, c'est qu'en dessous, sur les petits trucs réglementaires, il y a écrit Lightwave. Donc si ça se trouve, c'est juste que TP-Link a fait faire par une société et ils ont collé leur nom dessus. Mais surtout, il est indiqué en termes de power supply, 5 volts à 0,5 ampères. Alors certes, le truc de power, c'est... c'est un... comment dire, c'est alors c'est un barrel en anglais, mais je sais plus comment on dit en français. Donc c'est pas un USB. Mais 5 volts 0,5 ampères, chez moi ça fait tilt. Toujours. Quand on dit 5 volts 0,5 ampères, voire même 1 ampère, 1 ampère et quelques, je me dis, ah, il y a moyen de faire joujou avec de l'USB. Donc je me demande si un de ces quatre, je pourrais pas utiliser autre chose que l'alimentation qui est là-dedans. Tiens, d'ailleurs, je sais plus si j'avais regardé si l'alimentation serait pas par hasard basée sur de l'USB, mais je crois pas. Non, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. C'est un truc classique. Donc ça, déjà, c'est pour vous donner un peu le comment ces choses-là ont démarré. Et donc, ce switch-là, en fait, bah, c'est très simple. Hein. Vous le branchez, vous mettez des machines en câble dessus, hein, vous les branchez, et puis bah, vous pouvez avoir jusqu'à 5 machines ensemble. Alors quand je dis machines, ça peut être des PC, comme ça peut être d'autres équipements réseau. Généralement, on va mettre 4 PC, et puis derrière, on va rajouter un routeur ou un truc comme ça. Donc c'est cool, hein, c'est pas cher, c'est du gigabit Ethernet, donc si vous avez besoin de... j'y viens justement, The Vengeur. Il se trouve que ça n'est pas manageable. Donc quand, quand on démarre, par exemple, quand on démarre, j'ai envie de dire, un labo réseau ou des trucs comme ça, généralement, ce genre de truc, c'est un peu pas mal pour démarrer, parce que bah, c'est simple, c'est pas cher, et ça fait le job. Ça transbahute des octets sans chercher midi à 14h. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va entrer dans une autre catégorie. Parce que ça, c'est pas manageable. Donc, quoi, 20-30 euros ? Netgear en a du manageable ? Alors, déjà, je suis pas un grand fan de la marque Netgear. Les derniers Netgear manageables que j'ai vus, honnêtement, ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Et sans forcément trahir des secrets professionnels, je pense que The a une vague idée de ce de quoi je parle. Oui, ouais, certes, mais ça existe. Mais pour être honnête, je crois que je sais pas si je préfère du Netgear manageable ou du TP-Link non manageable. Mais ça, après, c'est un autre débat. Et il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai récupéré un Switch Cisco. Et ce Switch Cisco est plutôt sympa. Et je trouve que c'est à peu près un bon choix quand on récupère du matériel. Et je me suis dit qu'on allait en causer ce soir. Et que ce serait l'occasion, comme je disais, de me refaire la main sur du matos. Alors, qu'est-ce que j'ai zappé ? Salut à toi Dino, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Et pareil pour Tu veux, moi mon geek, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end aussi. Salut à vous.
Alors, on va passer tout de suite sur cette vue-là. Voyons voir, qu'est-ce que tu nous lignes, The Vengeur? Netgear Pro Safe, 5 ports, giga manageable à 25 euros. Ok. Alors, un truc que je vais aller vérifier tout de suite. Tac. Hey, merci. Oh, merci Chaos pour le raid. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais déjà cliquer là-dessus. Et puis, alors, qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Chaos? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? En plus, vous êtes venu à 41, comme d'habitude. Alors, un hacker en train de hacker. Vous êtes allé faire du CTF, hein? Ah, y a... Hop là. Salut Curti! Salut Early Joseph. Hacking, hacking et encore hacking. Bienvenue à vous, bienvenue. Vous avez fait du rubis. Ah là là. Alors, c'est merdique pour un lab maison, mais avec des VLAN, ça suffit. Alors, ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'ils l'ont toujours sur leur site? Oui, ils l'ont toujours sur leur site et maintenant il est à. Oh punaise! Eh, mais je l'ai payé trop cher à l'époque, hein! Je vous jure, je crois que j'ai gardé la facture. Oh, mon téléphone qui est tombé, c'est pas grave. Action vend mes switches. Mais oui, je l'ai acheté chez Action, ce bidule. Sauf que quand je l'ai acheté. Attendez, j'ai encore la fiche. Non, ça va. Eh, je vous ai raconté des bêtises. Je vous avais dit que j'en avais eu pour 20 ou 30 balles. Non, 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 non. Le switch m'a coûté. Alors attention, on va jouer au juste prix. Le Switch m'a coûté 10,99 €. Voilà. 10,99 €. Donc voilà. Je pensais que j'étais plutôt sur les 20 ou 30 euros. Non, même pas. Je suis plutôt sur le segment 10 balles. Et maintenant, en plus, 30 balles, c'était le lot des 3. Non, j'en ai acheté qu'un. J'en ai acheté qu'un. En fait, à terme, j'aimerais bien essayer de le glisser à la place d'un autre Switch qui, lui, est en 100 mégas, mais qui est justement alimenté en USB. Faudrait que je regarde d'ailleurs si la prise serait pas compatible. Comme ça, j'ai juste à faire swap-swap. Non pas que ce soit important, hein, le 100 mégas me convient bien, mais je veux faire joujou avec avant. Et voilà, donc pour le moment, voilà, 10, 100 000, voilà, 10 balles. Enfin, même pas 9 balles maintenant. Mais toujours est-il que, ouais, là, le Netgear à 25 euros, ça va, c'est effectivement un truc. Plateforme Nintendo Super NES, c'est quoi la blague? Ils ont. Je sais pas qui a rempli la fiche produit, mais. Alors, on va y venir, on va y venir, mais je voulais jeter d'abord un œil à ce truc-là, garantie fabricant à vie, ok. Je serais curieux de voir, alors je serais curieux de voir en termes d'alimentation, est-ce qu'on a moyen d'ouvrir? Est-ce que je vois un truc? Oui, avis du produit, c'est toujours le classique. Non, je crois pas que ce soit du 5 volts. C'est dommage. Sinon, ce serait génial. Vous imaginez, manageable et potentiellement alimentable en USB, ce serait beau. Ce serait beau. Mais a priori, faut pas non plus rêver, hein. C'est pas non plus la fête. Bon, bref. Toujours est-il que, voilà, quand on veut faire du home lab, bah justement, on va aller chercher ce genre d'options à pas cher. Moi, je sais qu'il y a de ça un paquet d'années. Et quand je dis un paquet d'années, c'est genre là, pour le coup, ça doit dater de 2000, 2010-2012. Ça disait alimentation USB type C ou tu as rêvé? Ah, alors, bonne question. On va faire alimentation.
Type d'alimentation, prise de type CUE. Mais ils disent pas USB. Après, USB ou pas, enfin, si le truc c'est sur du 5 volts et que ça fait pas plus de, on va dire, 2 ampères, il y a moyen de bricoler un câble, hein. Franchement. Alors, donc, effectivement, le switch que j'ai récupéré, c'est effectivement un Cisco Small Business SG300, mais un que je m'étais procuré et que je m'étais procuré neuf il y a maintenant un paquet d'années, c'était un HP. Et c'était un HP ProCurve, ProCurve 18-10G. Voilà, on va aller chercher ça comme ça. Tiens, en 24 ports, bah, c'est exactement ça. Alors maintenant, aujourd'hui, voilà, ça se trouve pour 50 balles, hein, même un peu moins. Merci. Oh, bah tiens, allez hop, deux raids. Merci beaucoup, Rancune. Merci beaucoup. En Rancune qui m'a accompagné une partie de l'après-midi parce que j'étais aussi sur son live, qui a fait un peu de C. Alors, ce que je vais faire d'ailleurs, va falloir que je... Ça fait partie des choses que je voudrais améliorer d'ailleurs sur sur la chaîne. Il faudra que je fasse en sorte d'améliorer comment dire, pour les shootouts. Donc déjà, je vais faire un shootout à Chaos. Hop, voilà. Et Rancune, dans quelques minutes, tu auras droit à ton shootout aussi. Forcément, je vous invite à aller suivre Chaos et Rancune qui font des choses intéressantes. Rancune, je sais plus où t'en étais dans ton code C, mais j'espère que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, voilà, ça se trouve visiblement. Alors, je pense pas que ce soit du neuf, hein, à mon avis, ça va être ça doit être de l'occasion, hein. Mais voilà, on peut trouver. On avance doucement, on se fait plaisir, on presse pas. T'as raison. Ah oui, sélectionner un état, reconditionner, correct. Voilà. Bon. Et en état correct, ça nous fait du 55 euros TTC. Ce genre de switch-là, c'est pas mal aussi. Ça fait le job. C'est-à-dire que pour moi, ce switch-là a un avantage assez chouette. C'est que il est vraiment silencieux. D'ailleurs, il est fanless, hein, de mémoire, si je me rappelle bien. Et il y a même moyen de couper les LED. En tout cas, en partie. Donc, c'est pas mal. Par contre, il a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que sa configuration se fait uniquement en interface web. Alors, de mémoire, Zeus, si tu parles d'un job dans lequel on se serait vu, ce n'est pas ce modèle-là. Mais celui-ci, c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme. Celui-ci, il n'a pas d'interface clé. Nope. Avant. Ah bon, ok. Donc vraiment, voilà, c'est un modèle qui aujourd'hui a un paquet d'années, qui est encore entre guillemets sous maintenance. Alors je sais qu'ils ont fait plusieurs générations. Mais je crois que j'ai fait un update de firmware l'année dernière. Sauf que maintenant, avec HPE, maintenant je crois que ça a été repris chez Aruba, les firmwares sont chez Aruba. Mais toujours est-il que ce que je vois comme avantage sur ce switch, donc, c'est que déjà d'une. Il est silencieux, on peut couper les LED, c'est cool. Donc il fait zéro bruit, c'est cool. Les inconvénients, c'est donc que l'interface est uniquement web, mais à la limite pour une interface web, honnêtement, à choisir entre ce que j'ai connu comme interface web chez Netgear et l'interface web ici chez HP, je préfère cette interface-là. Et un autre truc qui est un peu dommage, je trouve, c'est que, alors s'il est possible de faire. Ce qu'on appelle de l'agrégat de port, de faire du. On collait 2-3 et hop, tu peux câbler ta seule machine. Bah oui, non, mais franchement, en 24 ports comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Ça fait le boulot plutôt bien. C'est du gigabit Ethernet, même les ports fibres, hein, même les ports SFP+, là, sont uniquement giga, on va pas en diger là-dessus. En même temps, c'est du fanless, c'est fait pour ce qu'on appelle du SO, donc du small office, home office.
L'interface Netgear est du niveau de IP Fire pour ceux qui étaient là jeudi. Oh punaise. Alors, pour rappel, donc, alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là, jeudi, on a fait joujou, notamment avec une distrib orientée firewall qui s'appelle IP Fire, qui est, on va dire, le descendant d'une très ancienne distrib qui s'appelle IP Cop. Et l'interface web de ce truc est pour le moins, comment dire, rustique. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont un peu restés dans les années 90. Malgré tout, des premiers benchmarks qu'on a fait de façon assez simple, il s'est avéré que ce truc-là a mis une baffe monumentale à tous les autres firewalls qui, comme par hasard, étaient sous FreeBSD. Mais je ne veux pas dire du mal des BSD. Oui, tout à fait, Dino. Alors, on appelle ça du LACP. Mais le truc avec le ProCurve, c'est qu'en fait, il peut faire de la haute dispo. Donc, tu peux avoir une machine avec deux interfaces réseau branchées dessus, mais tu vas avoir qu'une seule interface qui dialogue. J'ai jamais réussi à faire en sorte de faire du LACP en mode, enfin en tout cas avec un Linux en bonding. J'ai jamais réussi à lui faire communiquer sur les deux interfaces en mode vas-y balance-moi 1 giga de chaque. Alors ça faisait longtemps que j'avais essayé, mais voilà. Merci beaucoup pour le follow, Osmostop Player. Merci à toi, c'est très gentil. Et bienvenue d'ailleurs. Si tu n'es pas un habitué de leur cœur. Donc c'est un peu les inconvénients. Mais honnêtement, c'est toujours le switch que j'ai à la maison, enfin ici quoi. Et c'est le switch qui m'accompagne tous les jours. Ça fait ça fait bien plus d'une décennie qu'il tourne. Le support HP pour le peu de fois que j'ai eu à le contacter, j'ai eu un souci vraiment une fois. Et honnêtement, le support HP à l'époque a été complètement, compétent et j'ai rien eu à redire globalement. Donc voilà. Donc ça, c'est une option aujourd'hui. Hein. On les trouve pas trop chers. Je suis assez content. Si jamais un jour, alors je peux vous montrer éventuellement l'interface. Normalement, j'ai rien trop perso. Il faudra juste que je pense à dégager. Tac. Si jamais je fais ça, que je me connecte là. Hop, allez, on va enlever. Hop, voilà. Donc bon, l'interface n'est pas non plus d'une modernité folle, mais globalement ça le fait. Globalement ça le fait. En plus on a les petites diodes qui indiquent voilà tel port il est allumé, tel port il est éteint, ce genre de choses là. Donc là on est pas mal. Honnêtement ça fait le boulot. Hein, L'interface, et voilà, honnêtement, face à du Netgear, moi je trouve l'interface quand même assez sympa. Éventuellement, pourquoi il me dit 21h17? Date 25. Ouais, bon, effectivement, la date aussi, elle est un peu foireuse. Mais voilà, globalement c'est pas, enfin ça reste utilisable. Il est resté coincé dans le passé ton switch. Ouais, il est resté coincé dans le passé. Honnêtement, honnêtement en termes de gestion d'accès, de toute façon il est pas ultra. En fait quand tu te connectes dessus avec juste un mot de passe, t'as même pas un login. Donc à partir de là, enfin le truc, c'est vraiment le genre de switch que tu vas mettre dans un bureau quoi. Mais sachant que ça gère les VLAN, pour faire du home lab,
Et sachant qu'il est capable de faire du LACP, au moins haute dispo, pour du home lab, c'est amplement suffisant. Maintenant, un appareil que j'ai récupéré et sur lequel j'ai envie de manipuler un peu, c'est le Cisco Small Business série 300, le SG300. Alors, d'abord, que les choses soient très claires, c'est du matériel obsolète. C'est du matériel obsolète. Voilà. Status chez Cisco, end of sale. End of support, bon, fin d'année. Et si jamais vous pouvez, Cisco dit, au fait, passez plutôt sur le SG350. Je sais même pas du tout combien ça se vend d'occasion. Donc je ne sais pas trop. Alors, vous voyez qu'il y a différents modèles, hein, au niveau des SG300. Vous avez aussi les SG200 et les SG250. Je ne connais pas forcément les différences avec ces équipements-là. Mais vous pouvez voir qu'on peut avoir certains avec quand même une belle ribambelle de port. Donc il y a moyen de s'en trouver des 24 ou des 48. Moi j'ai un 24 et ça fait très bien le taf, je trouve. De mémoire, il doit gérer le 802.1x, le ProCurve, ce qui était pratique pour authentifier les machines et les balancer dans le bon VLAN en fonction de l'authentification. Ah, c'est cool ça! J'ai jamais joué avec honnêtement, puisque moi à la base, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire déjà d'une du VLAN et potentiellement faire du LACP. Et d'avoir une certaine quantité de ports. Parce que je crois que sur mon Switch précédent, j'étais un peu limité. Je crois que j'avais 8 ports et j'en voulais au moins une douzaine. Et je me suis dit, bah, quitte à acheter un Switch avec au moins 12 ports, autant prendre un 24, comme ça je suis tranquille. Et effectivement, sur la photo, là, on est à 48 plus upstream. Alors, ce que je vais faire, ça va être un petit peu compliqué. Je vais aller attraper la deuxième caméra et je vais essayer de vous montrer ça. Hop, à quoi il ressemble. Alors, c'est un peu le bazar là-dedans. Il y a un peu trop de fil sur mon bureau. Il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà, alors, on va passer, alors, est-ce que j'ai caméra, si je fais ça, non, si je fais ça, ce sera mieux, voilà, donc, on va aller par ici, si je fais comme ça, alors là, vous allez voir, c'est un peu sombre, mais on a donc le switch HP, et au-dessous, pardon, et au-dessous, on a le Cisco SG300. Alors pour l'instant, il n'y a pas de câble réseau branché sur le Cisco. Que vomi dans 3, 2, 1. Non, quand même pas. Et si on va jeter un œil à l'arrière, hop là, tac, vous allez voir qu'il y a non seulement l'alimentation, que vous voyez juste à côté du chat, et un peu plus loin, tout en haut, vous allez voir, il y a un port série qui est branché. Et c'est ce que je voulais vous montrer, puisque ce port série est relié avec. Donc c'est donc ce petit câble-là qui arrive sur un adaptateur USB série et qui passe au passage par un petit adaptateur qu'on appelle nul modem. Et c'est ce que je voulais vous montrer en sortant cette caméra. Donc on va pouvoir revenir sur hop, cette vue-là. Ça a ses avantages quand même, la petite caméra volante à côté. Hop là. En fait, ce qui est assez sympa avec ce genre d'équipement, c'est que donc on peut les administrer de plusieurs manières. On peut les administrer à distance et on peut les administrer en local avec une interface de type port série. Alors, ce modèle-là, il a un bon vieux port série de type DB9 en fait, hein. C'est-à-dire, alors, j'attrape ça. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est ce qu'on va voir.
Alors, je vais repasser sur cette vue-là. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, vous avez 9, vous avez 9, 9 broches. Alors, c'est une excellente remarque, Dino. C'est une excellente remarque. Tu as peut-être l'habitude, tu as peut-être connu ce câble-là, qui là est en DB9. Si tu veux bien faire le point, la caméra. Hop. Non. Alors. Non, la caméra veut pas faire le point. Alors si je passe, si je repasse comme ça. Et merci beaucoup pour le follow, Holospectre. Merci à toi. Donc on a ici en DB9, donc les 9 broches comme tout à l'heure, et on a ici, sur l'autre partie de ce câble, une prise RJ11. Et il se trouve que je m'étais procuré un petit adaptateur qui est d'un côté DB9 et de l'autre côté RJ11 aussi, ce qui fait que je peux me retrouver avec mon câble Cisco en mode câble série classique. Par contre, donc ça c'est ça a son côté pratique. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les équipements Cisco avaient une prise RJ11 pour la partie console. Non Alain B, c'est du RJ11, c'est pas du RJ45. Alors attends, tu me colles un doute. Ah si, c'est du RJ45, autant pour moi. Autant pour moi. Non, c'est, tu as raison, c'est du RJ45. J'ai un RJ45 à côté. Pas de soucis, The Vengeur, merci beaucoup. Salut Manon, mais je t'en prie, ça me fait plaisir pour les autocollants. J'espère que ça va Manon, que t'as passé une bonne journée et un bon week-end. Tu as eu l'occasion d'administrer un Aruba, ok. Le Debian Fainiste. Profite, profite. Donc, effectivement, c'est un RJ45. Autant pour moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que c'était un RJ11, mais non, c'est. Les RJ11 sont plus petits, il y a moins de câbles. Parce que là, on voit bien qu'il y a 8 paires, quoi. Enfin, pas 8 paires, si. Non, il y a 4 paires, pardon. Je sais plus ce que je raconte, dis donc. Je suis rouillé sur ça. Hein, il est temps que je m'y remette. Donc, ce genre de câble, quand vous en avez un, vous y tenez. Vous y tenez beaucoup. Et vous pouvez. Alors, je vais pas zoomer forcément sur, comment dire, l'usure du câble. Mais on peut voir qu'il a passé beaucoup de temps dans mon sac, dans mes sacs successifs, et que je suis très content de l'avoir encore et qu'il fonctionne. The Vengeur, ah oui, non, The Vengeur, il a dû partir. Il est temps que tu t'arrêtes, c'est la retraite déjà. Oh punaise, je ne veux pas penser à la retraite. On va éviter de commencer avec les sujets politiques. J'ai envie de croire que j'ai encore pas mal d'années sympas à faire. Perso, tu veux un câble téléphone? Si tu veux un câble téléphone, tu vas à la paire, sinon c'est Ethernet, tu vas à 8 et 8. C'est pas bête! C'est pas bête! C'est pas bête! Joli moyen mnémotechnique, merci beaucoup Manon! Ah franchement c'est classe. Joli moyen mnémotechnique. Là je. Non j'applaudis. Souvent Manon nous trouve des jeux de mots assez comiques. Mais tu es aussi très doué pour les moyens mnémotechniques. Donc j'applaudis aussi. Donc on en est là. On en est là pour l'instant. On en est à comment on va se brancher sur notre switch Cisco. Vous aurez remarqué d'ailleurs que les switches, je me donne 2 minutes pour trouver une blague en arrivée de live. Est-ce que le câble console a toujours son ergo? Eh bien non, figure-toi, le vilain coco. Il a bien entendu son ergo est cassé, hein, sinon c'est pas drôle. Alors TP Cisco, je sais pas. Je sais pas si on va dire TP Cisco, mais toujours est-il que ça potentiellement.
Toujours est-il que ouais, donc l'ergot est bien entendu cassé, sinon c'est pas drôle. Mais ça va, il tient encore. Il tient encore le coup, il reste branché. Donc généralement, si on revient sur le desk comme ça, et que je fais, qui c'est qui me parlait d'un Cisco Catalyst 3750? Alors moi j'ai connu les générations de 3750 qui étaient en 1,5U, mais je crois qu'en plus ils ont évolué, et que maintenant les 3750 sont en 1U. Est-ce qu'il y aurait moyen de juste faire des... juste faire photo, il y a moyen. Image. Donc forcément, il montre l'avant. Mais il y a peut-être moyen de voir... Je sais plus, je crois que c'est à l'arrière, man. Je crois que c'est à l'arrière, sur les 3750, les ports console. Hop. Ah purée, oui, les 3750, 1.5U, l'enfer. Ouais, hein, tu vois mon guide. Hey, salut à toi, Bilouret, j'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end. Fort heureusement, ouais. Tiens, il a l'air d'avoir des séries 26 aussi, là, le gars, sur sa photo. Et juste avant l'expérience où j'avais connu les 3750, sur la fin, on avait eu des nouveaux équipements de chez Cisco aussi. Et c'est pour ça que voilà, là c'est chouette qu'on va pouvoir voir. Non, je la photo. Afficher le fichier. Sérieux, contient des erreurs? Arrête. Oh, l'arnaque. Vraiment, dommage. Dommage. Vraiment, si je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet, pareil, des erreurs. Ok, fiche-toi. Parce que si je zoome encore, je suppose que ça zoome pas la photo. Si. Je sais pas si vous voyez bien, mais sur certains, c'est à l'avant, 2960S par exemple. Je crois que c'est pour ça. J'avais mémoire des 2960, les 2960G par exemple, qui l'ont à l'avant. Et ici, vous voyez, il y a un port micro USB. Alors, je sais que c'est peut-être un peu petit, mais c'est un port micro USB. En fait, Cisco a arrêté de faire des ports console en RJ45 et ils se sont mis à mettre de l'USB. Donc si jamais vous vous retrouvez avec des équipements récents un jour, vous risquez fort probablement d'avoir des Cisco qui se branchent en USB plutôt que des Cisco qui se branchent en console, en série. Sur les 2960G, c'est à l'arrière aussi. Ok. Je t'avoue que j'ai perdu la mémoire sur ces modèles-là. Que ce soit les... Ah bah tiens, ça me dit un truc. On dirait les 3750 1,5U. Oh punaise. Oh les souvenirs. Tiens, il les faisait en POE. Oh là là. 2960, ça te parle. Ça devait être ça, tes modèles, il y a fort longtemps. Il y a moyen. C'est peut-être du... Alors, je t'avoue que le mini et le micro, je les confonds. Le micro, c'est celui qu'on a sur les téléphones. Enfin, qu'on avait sur les téléphones. Si c'est ça, oui, effectivement, c'est du mini USB. Elle est passée où, la photo? Elle est passée où? Je l'avais pas... Ah, j'avais peut-être cliqué... Ouais, j'avais cliqué sur autre chose. Génial. Elle est passée où, la photo? Il y a encore d'équipements récents où il y a le port série? Mon RJ45, bon bah c'est pas peut-être pas plus mal. Enfin je sais pas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux passer sur de l'USB? D'ailleurs c'est un peu bête, je trouve. Enfin si c'est effectivement ce que je veux dire c'est que cette USB là, dont effectivement je ne retrouve pas la photo, alors que pourtant elle est. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. Merci Elodie pour le sub. C'est très gentil à toi. Merci de ton soutien. Ça me fait super plaisir.
Vous pouvez soutenir la chaîne d'ailleurs en Twitch Prime, donc ça ne te coûte rien, c'est cool. Donc vous pouvez soutenir la chaîne comme vient de le faire Elodie avec, avec effectivement un sub avec, avec Amazon Prime. Et si jamais vous n'avez pas envie de donner de l'argent à Amazon, sachez que sur, sur ma page perso, vous pouvez trouver aussi un lien vers LiberaPay. Si jamais, si jamais vous le souhaitez. Bien entendu, tout cela reste à votre bon vouloir. Et le premier soutien que vous me faites, c'est d'être là, et je vous en remercie. Donc, effectivement, ce que je me disais, c'est que cette histoire de mini-USB, c'est un peu dommage qu'ils aient pris le mini-USB et pas le, l'USB qu'on avait sur les téléphones. Parce que je trouve que ce port-là est moins, moins populaire. Donc c'est un peu dommage. Bref, toujours est-il que on va commencer par faire joujou avec de la console série. Et donc, vous aurez remarqué que je me suis branché un adaptateur USB série. Alors j'en ai un autre qui traîne quelque part. Hop, je vais vous en montrer un. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est même un genre de pieuvre. Il y avait de tout sur les téléphones, ça dépend juste de quand. Je t'avoue que pour le coup, sur les téléphones, moi j'ai connu que le micro USB. J'ai pas connu le mini. Salut à toi Nebed. Alors Dino, non, on va pas utiliser Pouty. Mais donc, pour l'anecdote, sur les Aruba série 6000, ils sont passés en USB-C. C'est pas bête. Et salut à toi Cave35, bienvenue. À chaque fois que nous dit... Nils nous dit console, j'écris voyelle. J'aime beaucoup Manon, magnifique, elle est pas mal, bravo. Merci Manon. Donc, on a un USB, de l'USB d'un côté, et on a du bon vieux DB9 de l'autre. Et là, sur celui-ci, bah, j'en ai 4, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pratique. Vous savez que si jamais vous avez... vous avez un PC avec un port série, voire même sur lequel vous mettez un adaptateur USB série, vous pouvez vous brancher avec un câble série à ce PC, et par exemple sous Linux, il y a moyen d'activer le terminal, en tout cas il y a moyen d'activer un TTY sur, sur le port série. Ça permet de faire, on va dire, une sorte de out of band du pauvre. Je me rappelle dans ma première expérience professionnelle, on n'avait pas de. Les serveurs, c'était pas des, des trucs de chez Dell avec des racks ou des trucs de chez HP avec des îlots. Et donc on utilisait cette astuce du port série pour avoir une console un peu locale. Et on avait un serveur qui faisait serveur série. Après, bon, les serveurs étaient. Était dans le même bâtiment, donc ça va, quoi. T'arrives même pas à faire fonctionner ta souris sur un K6 233, ouch. Et attends, c'est Davis Lar chez Cisco. Je sais pas si certains ici connaissent les ASR 920. Non, je ne connais pas. Mais tu as soit un port USB-A qui te présente un convertisseur USB série intégré. Il te faut un câble A vers A. Ouais, déjà. Et un autre USB-A, où derrière, c'est un UART standard. Donc, il te faut un câble magique USB-A vers DB9 ou RJ45. Oh, punaise. De quoi, Manon, pas bête, la console série pour faire un out of band du pauvre. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Heureusement qu'en formation, on avait notre stock de câbles console. Oui, oui, bah ça, j'imagine que dans les établissements de formation, les câbles console, ils les comptent à chaque fois. Hein. Ah, le serveur de port série. Oui, 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 c'est pas mal. C'est pas mal. Bah justement, tu peux faire un serveur de port série avec, avec ce genre de choses-là. T'as un port USB, 4 ports série, et c'est la fête. Et donc, dans le cas du Cisco SG300, il ne faut pas oublier... Tiens, je vais le débrancher là, de toute façon, vu qu'on n'est pas dessus. Hop. Il ne faut pas oublier que ça doit être ce qu'on appelle un port... Non pas... C'est pas juste du... du série, mais c'est du nul modem. Donc là, moi, j'ai un petit
un petit convertisseur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la différence entre, une liaison série, j'ai envie de dire classique, et ce qu'on appelle du nul modem? Eh bien, c'est tout simplement, le fait, c'est un peu comme pour les câbles réseau. C'est le port série, c'est droit, et le port nul modem, c'est croisé. Et vous avez des équipements réseau qui prennent du série et des équipements réseau qui prennent du nul modem. Donc, en gros, pour éviter d'avoir un câble série, un câble nul modem dans le sac, eh ben, j'ai un câble série et un adaptateur nul modem. Comme ça, bah, paf, je m'embête pas. Si je vois que ça marche pas sans le nul modem, je le rajoute. Et généralement, ça marche. Pourquoi du série? Pourquoi pas une interface Ethernet? C'est une excellente question, Manon. Je suspecte que la réponse doit être historique. Je n'ai pas l'historique sur la société Cisco. Je n'ai pas l'historique sur les fonctionnements des réseaux avant les années 2000, j'ai envie de dire. Et ce que je suspecte, c'est que probablement... Alors, les câbles réseau croisés, les cartes récentes savent faire les deux. Oui, tout à fait, mais dans le cas des équipements réseau, visiblement, ils savent pas croiser les trucs série. Avant, tout était en série. Probable. Probable. Mais toujours est-il que... Je suspecte qu'il devait y avoir une raison de coût aussi, parce que, à mon avis, implémenter du série et implémenter de l'Ethernet, c'est pas la même chose. Un truc qu'on va voir quand je vais me connecter sur le switch Cisco, c'est qu'on va voir son CPU. Et vous allez voir que le CPU du Cisco, c'est pas un foudre de guerre. D'ailleurs, on va se connecter sur notre switch, mais avant... Câble série, c'est la base pour les out-of-band. Le truc sur port réseau, c'est un truc spécifique Cisco. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Minicom. Alors, quelqu'un me demandait si on allait le faire avec Putty. Non, je ne vais pas le faire avec Putty, même si Putty... si vous avez un PC Windows, par exemple, vous pouvez utiliser Putty pour vous connecter, effectivement, en câble série. Et sous Linux, alors moi, je suis un peu old school, mais j'utilise Minicom. Il existe d'autres outils qui permettent de se connecter sur une console série. Je pense à Screen. Je ne sais plus si Temux fait du série aussi. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Kermit aussi qui fait du série peut-être. Et je crois qu'il y a d'autres outils qui existent. Pour être honnête, moi j'ai toujours utilisé Minicom. Donc j'ai gardé mon habitude d'utiliser Minicom. Il y a net... Or Curtis X, pas mal. Série, Netflix, ok, je l'ai. Bravo, bravo, pas mal. Alors, tu veux voir mon geek qui dit « Le série, c'est pratique pour de l'administration out of band d'urgence. Car par exemple, à travers des modems 4G en cas de tuile, tu peux voir le boot du routeur, etc. etc. Quand t'es loin, c'est fort pratique. Tu as ta console texte, c'est simplissime à implémenter côté constructeur et ça juste marche. » Effectivement. Et tu veux voir mon geek qui nous rajoute « À eux, je pense que le form factor du RJ45 est pratique à intégrer pour les constructeurs. » Effectivement, maintenant, c'est vrai que le RJ45, c'est quand même rentré dans les mœurs. Ça l'était déjà quand j'étais étudiant. Alors pourquoi est-ce que je commence par faire un sudo minicom-s? C'est pour vous montrer l'écran de configuration. Et dans cet écran de configuration, il y a notamment le serial port setup. Et là, vous allez voir un truc, c'est que le port série, c'est vraiment un truc, enfin, par rapport à l'Ethernet, où on se dit, de toute façon, tu branches. Si le truc il est en 100 mégas, ça s'abaisse à 100 mégas. Si le truc il est en 1 giga, c'est en 1 giga. Et si jamais le truc est en 2 giga, 5, 5 giga ou 10 giga, ça s'adapte tout seul. Et comme l'avait dit eux en plus tout à l'heure, aujourd'hui, les ports réseau des Switch, même je pense, alors j'ai pas testé, mais je pense que même ce Switch à moins de 10 balles est capable d'avoir des ports, ce qu'on appelle AutoSense. C'est-à-dire que peu importe que je branche un câble réseau droit ou croisé dessus, avec l'appareil en face, ça fonctionnera. Alors que le port série, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et si jamais vous êtes paramétré
Oui, c'est aussi autostand sur le PC, effectivement. Merci Zeux pour la précision. Sur vos ports série, si jamais il y en a un qui est configuré pour une vitesse et un qui est configuré pour une autre vitesse, bah ça parlera pas ensemble. Il va falloir vraiment que les deux soient configurés à la même vitesse. Généralement, la vitesse la plus populaire pendant assez longtemps, c'était 9600 baud. Fort heureusement, sur ce Switch, je peux passer en 115200. Donc, le port série ira plus vite. Et généralement, le 8N1, c'est parce qu'on a des mots de 8 bits et un bit de parité. Je crois que le N, c'est pour le... quel est le... oui, le bit de parité et le bit de stop, c'est 1. Voilà. Même vitesse et même parité. Oui, tout à fait, Alain. Merci de le préciser. Il faut effectivement que la vitesse et la parité soient identiques. Généralement, je me souviens pas avoir vu des équipements qui font pas du 8N1. Ou en tout cas, qui n'étaient pas configurés en 8N1 par défaut. Mais généralement, ils ont tendance à faire du 9600. Et maintenant, je crois qu'ils font du 115200. Mais j'ai connu une époque où c'était beaucoup de 9600. Et on a bien entendu dans Minicom la configuration de quel port série on utilise. Alors là, il s'appelle Dev TTY USB 0, puisque donc c'est un port série qui est sur un convertisseur USB. Qui doit d'ailleurs utiliser le bon vieux chipset PL2303 de chez Prolific, qui est un grand classique. Donc ça, j'en ai plus besoin et je peux aller faire un petit exit. Alors, je suis en train de me poser une question. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai le... Alors, je suis dans le groupe Dial Out, donc ça veut dire que je dois pouvoir faire Minicom sans être root. Voilà, hop. Username. Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme username? J'avais mis admin. Et ensuite, j'avais mis un mot de passe. Et hop, je vais le copier-coller, ce sera plus simple. Voilà, je suis dessus. Donc c'est forcément, c'est une console série, c'est assez austère, quelque part. Mais ça fait le boulot. Alors, je disais tout à l'heure... Vous allez voir, on va jeter un œil au processeur que c'est pas un foudre de guerre. Pour voir qu'est-ce qui se passe sur. Qu'est-ce qu'on a comme configuration sur ce genre d'équipement, on a une commande assez cool, qui est la commande show. Généralement, vous verrez sur des tutos ou des gens qui font du Switch Cisco, généralement ils vont juste écrire SH. Ce qui est assez cool sur la clé Cisco, c'est que bien entendu. On a de la complétion avec la touche tabulation, mais l'interpréteur de commande est capable de gérer de faire la complétion lui-même si j'écris juste SH. Donc par exemple, si je fais donc show et si je fais point d'interrogation, il m'affiche un peu qu'est-ce qu'on a comme argument possible. Vous voyez qu'on a quand même une belle liste. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter. Et alors, ce qui m'intéresserait, voilà. Show CPU. Donc on peut faire un show CPU. Alors oui, tout à fait, Alain. Mais alors, pour être honnête avec toi, je vais y venir. Mais tu vas voir que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Show CPU déjà d'une. Comment ça, complete commande? Hop là. Show CPU. Ah non, c'est pour voir l'utilisation. D'accord. Ok. Et le input. D'accord. Celui-là, je ne le connaissais pas, tiens. Par contre, on peut faire un show version. Parce qu'il nous dit System Hardware and Software Version. Et donc, on peut voir donc qu'on a donc la version. Assez cool, j'ai un V2 au niveau du hardware. Software version, boot version. En fait, il y a deux firmware, entre guillemets, sur cet équipement. On a un firmware de boot et on a un firmware classique. Les deux sont complètement à jour.
Donc on fera pas d'upgrade de firmware, en tout cas pour le moment. Si jamais Cisco sort une nouvelle mise à jour, on sait jamais. Mais j'aurais aimé qu'il m'indique un peu plus d'informations sur le hardware. Je pense qu'il y avait pas un show à... Il n'y a pas des informations... J'avais cru voir tout à l'heure quand je m'y étais connecté, quand j'ai branché le switch pour m'assurer qu'il n'y avait rien de problématique dedans et que ça fonctionnait. J'espérais voir... Show system peut-être. Non. Ok. Alors à quel moment est-ce qu'il va nous le dire? Je me demande s'il ne nous dit pas au démarrage. Et pour le démarrage, je crois qu'on fait reset, si je me rappelle bien. Non, ou reload. Ouais, reload. You have 27 your changes. Are you sure you want to continue? Alors, non. Alors, on va justement. On va aborder justement la partie des changements et ce que vient de nous indiquer Alain en disant show running config. Mais avant, un dernier petit truc. Je vous avais parlé de la complétion. Donc là, quand je faisais show version, en fait, je pouvais faire autre chose. Je pouvais faire sh ver. Et ça m'affiche la même chose. Donc c'est assez cool. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment on le configure? Comment on sauve les configurations? C'est assez simple. On a, je crois, au moins deux informations qui peuvent être différentes. On a ce qu'on appelle la running config, c'est-à-dire la configuration du switch à cet instant. Et on a ce qu'on appelle la startup config, c'est-à-dire la configuration du switch qui est enregistrée sur son stockage. Son stockage étant généralement une mémoire flash. Donc généralement, on parle assez souvent de flash. Peu importe son format, hein, je sais pas comment c'est dans ce switch là, est-ce qu'il y a une carte physique ou est-ce que c'est vraiment les puces qui sont soudées sur la carte mère. À mon avis ça doit être plutôt soudé maintenant, hein. Toujours est-il que on peut faire effectivement show running config hop, comme ça, mais comme je vous l'ai dit on peut faire une mémoire d'essai super héros pas mal, on peut faire tout simplement sh run par exemple. Et là, j'ai effectivement la configuration telle qu'elle est actuellement, configurée. Pour l'anecdote, ce switch a été remis à zéro. Et quand je l'ai redémarré tout à l'heure, le switch m'a demandé dans le cadre du premier setup, il m'a dit au fait, il faudrait que tu changes le login et le mot de passe par défaut et que tu mettes autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc pour le moment, bah, il a généré un nom de switch, un hostname, et il a généré et de fait il m'a créé un nouveau. Et vous pouvez voir que le username est admin et que le mot de passe chiffré. Alors. Que les choses soient très claires, ça ne me pose pas de problème de vous le montrer. D'une part, parce que de toute façon, le mot de passe, c'est password 1, 2, 3 avec point d'exclamation et un P majuscule. Et d'autre part, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y accéder. Hein. Et puis je ne vais pas m'en servir comme ça tout de suite. Vous n'avez pas vraiment de moyen d'aller hacker le switch. Et quand bien même, je ne sais pas trop ce que vous en feriez. Gizmo, salut à toi. Qu'est-ce que c'est comme Syscal? Eh bien, c'est un SG300. C'est un SG300 28 ports. Donc là, on a la running config. Donc la configuration actuellement en train de tourner. Mais comme je vous ai dit, je l'ai allumé. Je lui ai juste changé le compte d'administration. L'appareil était vraiment en mode sortie d'usine. Et on peut jeter un œil à la config de démarrage. La config est enregistrée. La startup config. D'ailleurs, on peut faire ça. Non, ambiguous commande. Voilà, show STA. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup moins, mais il y en a un peu moins quand même. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, comme j'ai... Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rebooter le switch sans faire... ce que Alain propose, c'est-à-dire sans sauvegarder la configuration en cours de fonctionnement.
parce que comme ça va vous permettre de voir le je dirais la configuration de premier démarrage. Ce que j'aurais aimé vous montrer avant. Ouais, de toute façon, on pourra voir après. Normalement, je fais un reload et là, il va dire eh, au fait, t'as pas sauvegardé tes changements. Puisque bah, le compte admin a été modifié. Est-ce que je veux continuer? Oui. Cette commande va remettre à zéro tout le système et déconnecter votre session actuelle. Est-ce que je veux continuer? Oui. Et donc, comme il affiche tous les messages de boot sur la console série, on va pouvoir voir tout depuis le début. Et j'ose espérer que c'est là qu'on verra au moins le nom du processeur. Pendant qu'il... Ouais, non, il est allé à site. Ouf. Ah tiens, il démarre sur image 2. Voilà, et là il charge la startup configuration. Alors, pendant qu'il continue de redémarrer, on va remonter, et on peut voir quelque part... Hop, ici, voilà. Networking device with Marvel ARM CPU Core, 128 mégaoctets de SDRAM. Il y a un premier cache à 16 kg, un décache à 16 kg, un L2 à 256 kg, et c'est activé. Voilà, voilà. Donc on a un petit CPU ARM avec 128 mégas de RAM. Donc quand je vous ai dit que c'était pas un foudre de guerre, ce n'est pas un foudre de guerre. C'est assez parlant, ouais, effectivement. Pendant très longtemps, comment il tabasse le CPU? Oui, bah, écoute, je suis tenté de dire, c'est peut-être pas un foudre de guerre, mais à partir du moment où il est capable de gérer le firmware étant dernière release. Tout à fait, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. On va aller voir ça. Il nous dit running software, date 8 avril 2020, 1.4.11.5. Hop. Et j'avais justement avant le stream, j'étais allé chercher. Un autre intérêt d'ailleurs de ce switch, pourquoi c'est cool les SG300 et que j'aime bien les SG300, c'est que là vous voyez, moi j'ai pas de compte chez Cisco.com. Et je peux télécharger les firmware gratuitement, sans me connecter. Et donc on est bien sur la dernière release. Alors pour l'anecdote, si jamais vous récupérez un jour un SG300 et ou un SG200 ou un SG250 ou un SG350, faites attention puisqu'il y a il y a deux firmware à mettre à jour. Il y a le software principal et il y a le boot. Bon, alors il est en train de nous générer des clés SSH, c'est cool. Alors là, on le voit pas. Est-ce qu'on l'avait pas vu tout à l'heure? Quand j'avais fait un show vert. Si, vous voyez, il y avait un software version et un boot version. Et en fait, sur ces types de modèles, là, sur les gammes SG, quand vous êtes en dessous d'une certaine version du boot, vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine version du software. Et en gros, à un moment, il faut d'abord passer la mise à jour du firmware de boot pour ensuite passer la mise à jour du software principal. Et Alain B qui nous dit, j'ai un SG526 et le principe est le même. Bah voilà. Voilà, voilà. Donc, le firmware est en 1, c'est parce que c'est pas la gamme Catalyst. Alors, c'est une excellente question, Gizmo, c'est probable. C'est probable. Je sais pas, tiens, Alain B, vu que toi, t'as un modèle un petit peu plus récent, est-ce que toi aussi, tiens, on peut peut-être vérifier d'ailleurs, s'il y a besoin, si je vais voir dans les small business... Non, il faut que je... Ah, oh, punaise, j'aime pas ça. Hop. Si jamais t'as besoin de créer un compte chez Cisco pour les SG500. Si on fait SG500.
En 28, tiens, allez. Switch firmware. 1, 4, 11, 5. Remarque, ça se trouve, c'est aussi la... Comme ça va être la même génération. Si je tape SG 350, hein, qui sont plus récents. Pas 450, 350. Hop. Et si on le prend en pareil en 28 ports, switch firmware. Ah non, il les propose. Si je fais 2, 5, 9, ouais, 2, 5, 2, 5, 9, 16, et que je lui fais vas-y télécharge, est-ce qu'il me réclame un... Est-ce qu'il me réclame un compte? Non, il me le télécharge. Nickel. Nickel, nickel. Non, non, mais... mais je veux pas, afficher tous mes téléchargements. Ah, là, tu m'embêtes. Hop. Tac. Supprimer et vider la liste. Voilà. Donc, c'est probablement à cause du fait que, effectivement, c'est l'entrée de gamme. Et Cisco doit se dire, bon, sur l'entrée de gamme, on s'en fiche. On peut laisser les téléchargements de firmware en mode open bar. Mais c'est vrai que sur les gammes Catalyst, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir récupérer des firmware à jour. D'autant plus, si j'ai bien compris, que les dernières mises à jour de firmware sur les gammes entreprises, faut avoir des contrats de maintenance, et donc forcément, bah, ça veut dire payer. Voilà. À la fin, c'est une histoire d'argent. Toujours est-il que ce qui est assez cool donc avec les SG300, c'est qu'on est... en tout cas, les gammes SG, les gammes Small Business. Un truc qu'avait dit tout à l'heure The, je crois, c'est que effectivement, il y a eu plusieurs dénominations pour le même modèle. Notamment pendant un temps, vous savez peut-être que Cisco avait racheté Linksys. Et que, et en fait, pendant cette période, une bonne partie de ces équipements small business de Cisco avait été relabellée en Linksys. Et donc, il y a des Linksys, des modèles de switch Linksys, qui sont en fait littéralement des SG300 au niveau plateforme, en fait. Je ne sais pas si par contre le software est le même. Ou s'il y avait un autre software qui s'appelait genre firmware Linksys, un truc comme ça. Ah bah la grande époque des WRT 54G, oui, ça pour beaucoup c'était du... C'était la grande époque. Moi, malheureusement, j'ai pas eu de chance parce que le seul WRT 54G que j'ai acheté, c'était un WRT 54GC. Et malheureusement, il ne tournait pas sous Linux, mais il tournait sous VXWorks. Et il n'y avait vraiment pas assez de place pour pouvoir caler un autre firmware. Oh, Nebed qui demande c'est quoi Cisco. Oh, je te crois pas. J'en ai toujours deux des WRT 54G. Non, The, j'en ai pas besoin. De toute façon, j'ai des Phonera qui traînent. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait un peu de tri récemment. Je suis retombé sur un t-shirt promotionnel de chez Fond. J'ai un vieux t-shirt orange avec le logo Fond dessus. C'est grand, comment dire, grand moment nostalgique quand j'ai... Quand j'ai vu ça. Mais de toute façon, quand bien même je le récupérais, je ne saurais pas quoi en faire. Donc bon, dans l'immédiat, si jamais je dois vous montrer des vieux trucs en OpenWRT, je sortirai mes Phonera. Ce sera amusant. Je sais même pas d'ailleurs si les... Je pense pas que les firmware actuels de OpenWRT passent sur les premières Phonera.
Et toi, tu es tombé sur une vidéo à Linux Solution où je parle de Linux FR. Alors, Gizmo, cette vidéo-là, je crois que je vois de quoi tu parles. Et c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Elle doit dater genre de 2013 ou 2014, si je dis pas de bêtises. Peut-être même avant. Globalement, j'ai fait toutes les éditions de Solution Linux depuis 2007. Non, 2008, pardon. Depuis 2008. Alors je dis solution Linux, mais ça inclut de fait les trucs, comment dire, plus, enfin les noms ont changé depuis, mais ça reste pour le même événement. 7 mai 2010. Oh le coup de vieux. Oh le coup de vieux. Oh. Ah là là. Mais oui. C'était la grande époque, franchement, c'était une époque où le salon était vraiment... comment dire? Aujourd'hui, le salon est beaucoup plus petit, je suis tenté de dire. Et à cette époque, l'avènement de la vidéo, comme on a aujourd'hui, c'était pas encore ça. Et il y avait des gens qui avaient eu un projet de web télé. Et justement, cette vidéo-là, elle avait été enregistrée avec cette web télé. Et c'était assez sympa, moi j'avais bien aimé. On avait régulièrement des contacts avec ces gens-là, c'était assez cool. Je crois que la web télé s'appelait Intellien, mais je crois que ça n'existe plus. Le projet a fini, je pense, par couler. Je pense, hein, si ça se trouve, c'est peut-être encore vivant. Et les RMLL, est-ce que j'ai fait? Alors, je suis allé deux fois au RMLL. J'y suis allé une fois à Beauvais et une fois à Saint-Étienne. Mais c'était principalement pour tenir le stand Linux FR. Comme d'ailleurs Solution Linux, hein, j'y vais surtout pour tenir le stand Linux FR. Et essayer de faire un peu de promotion de Linux FR là-bas. Maintenant, il se pourrait que pour le prochain, c'est quoi? C'est Open Source Experience maintenant. Hop, Open Source Experience, voilà. Et ce sera les 6 et 7 décembre prochains. Si jamais vous avez envie de me rencontrer AFK, et ben j'y serai très certainement. Et il faudra que je pense à ramener des stickers et pas enfin, des stickers Linux à faire, ce sera pas un problème, il y en aura. Mais peut-être qu'il faudrait que j'imprime quelques stickers moutons. Parce que j'en ai là facile d'accès. Ouais, allez, on va peut-être les sortir. J'ai distribué au compte-gouttes quelques exemplaires. Mais si jamais on a l'occasion de se rencontrer. Il y a des vrais. Voilà. Des stickers moutons. Hop. Bon. Est-ce qu'il a fini de générer les clés SSH, le Bignou? C'est Paris, c'est à 1 million de kilomètres de chez toi. Bien. Voilà. Donc, il a pris son temps. Et pour générer des clés SSH, des clés DSA 1024 bits et des clés RSA 2048 bits. Et il a pris son temps. Hein. Donc, username. Donc, on est sur le système par défaut. Donc, on va faire Cisco. Ah, zut, il a pris un peu son temps. Enfin, j'ai pris un peu mon temps, de fait. Ça, c'est sympa. Ça y est pas toujours, hein, la détection automatique de la vitesse. Voilà. Cisco. Cisco. Voilà, et là il nous dit au fait. Et donc là la blague c'est qu'au début quand j'ai fait ça pré-stream, je me suis dit bah pff, je mets admin 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 password. Puis après j'ai commencé à lire ce qu'il disait. Et il dit quoi là? Il dit que le nouveau mot de passe doit suivre des règles de complexité. Donc admin. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais mettre un truc bidon quand même. Qui sera tout simplement password 1, 2, 3 avec un point d'exclamation et un P majuscule.
Tac. Voilà. T'habites sur Mercure. Ah ouais, ça fait loin les bêtes, hein. Tu prévois quelques siècles à l'avance tes déplacements sur Terre? Ou alors t'as une Stargate. C'est ça, il y a une Stargate sur Mercure. Et quand t'arrives, en fait, tu mets moins de temps à faire Mercure-Terre que de faire US-France, c'est ça? À partir de là, bah, je peux refaire un showrun, hein. T'arrives avant de partir, en fait. Hop. Bon, bah, on va peut-être faire notre... Parce que j'ai pas envie d'avoir à régénérer les clés à chaque fois. Donc on va faire un petit copy running config startup config. Alors, je vous mets la commande en entier, mais on peut faire un truc très simple qui aide à aller plus vite. C'est faire copy... Alors, on peut faire copy run start. Mais il y a des gens qui ont été encore plus loin dans l'optimisation. Il y a des gens qui ont été plus loin. Et grâce à la complétion, en fait, quand on est là, on peut faire cop au lieu de copy. Alors, Kitter Sosé, c'est chouette que tu en causes. On va y venir. Et étant donné qu'au niveau des copies, quand on fait R, c'est de toute façon running config, ça suffit, et le S pour startup config. Donc il y en a qui font ça carrément, cop RS. Ce qui est quand même, alors, ce qui est ultra optimisé, moi j'aime beaucoup, mais quand on le voit pour la première fois, on fait mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le write même, Kitter Sosé, de mémoire, je crois que c'est sur les équipements encore plus anciens. Je ne sais pas si celui-ci le gère. On va voir. Ah si, write memory, il le fait. CRS aurait été encore plus drôle. Alors. Non, ambiguous commande. C'est ambigu. Alors pourquoi est-ce qu'il me... Non, à la tabulation, il me fait pas de... Je fais CO, il me dit rien. Je fais COP, par contre, il copie. Donc ce qui m'embête, c'est qu'il m'a... Ah, j'ai configure. Donc CO, bah forcément, j'ai configure. Donc, effectivement, Nesquik, ça aurait été drôle. Mais il y a d'autres commandes en C, donc ça ne suffit pas. Donc allez, COP RS... si, probablement. Voilà. Clear, clock, configure, copy, crypto. Et CO, de fait, on a copié et configure. Si j'ai trop l'habitude du shell bash, je fais C, je vais faire tap, 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 et ça suffit pas. C'est bien point d'interrogation. Donc. Bad paramètre. Copy, run. Voilà. Overwrite file. Oui. Avec WriteMate, il y a quoi de nécessaire pour... Alors, attends. W. J'ai que write, a priori. W, là, on est bon. Et a priori, de toute façon, c'est... Alors, si je fais W, et que je fais M, et que je fais point d'interrogation... De toute façon, il n'y a que memory, en fait. Donc, effectivement, WM, il me fait la même. Mais de mémoire, je crois que WriteMem, c'est ancien. Et de fait c'est pas... comment dire? Il est peut-être préférable de se rappeler de copy run start. Enfin, de copy running config startup config. Donc là, pour le moment, en termes de commandes, déjà d'une part de mes souvenirs et des choses qui sont possibles, on n'a pas forcément énormément de choses. Un truc qui est marrant, que je peux vous montrer aussi, c'est la commande dir. Il faudra que je jette un œil aux fichiers qui sont dedans. S'il n'y a pas les trucs un peu... Si les images 1 et images 2, elles ont l'air un peu... Ah, remarque, chelou cette affaire. Les dates, elles ont l'air chelou. Le startup config, il dit modifié en 2020. À mon avis, c'est que la date du switch doit être un peu... Ah, il n'y a pas de date. Il y aurait un time? Non.
Je vais pouvoir faire show clock, tiens, show clock, voilà. Donc pour lui, on est le 8 avril 2020. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il doit être tout perturbationné sur les dates. Un truc que je vais vouloir faire tout de suite, c'est lui donner un petit nom. Je me rappelle même plus comment on lui configure son nom. Hostname, allez. Hop là. Oui, et il faut passer en mode configure. Effectivement, configure hostname. Et on va l'appeler, je sais pas moi. Apart-swlab0. Allez, tac. Et là, pareil, si jamais... alors, pour revenir de config au mode normal, je passe avec le raccourci clavier CTRL-Z. Et si jamais là, je fais à nouveau un reload du switch, au redémarrage, le switch va s'appeler encore switch B304BD. Donc, il faut quand même un petit nom, un nom composé. non, c'est un petit nom. Parce que ce n'est pas un FQDN. Et donc, bah, comme d'habitude, hein, allez, on va faire un WM cette fois-ci. Et d'ailleurs, je peux peut-être faire un show startup config. Tac. Et là, normalement, on a bien hostname, voilà, apart swlab 0. Ok, cool. C'est le 0 qui me fait marrer. Tu comptes installer combien de switch 24 ports dans ton appart? ouais, c'est vrai. J'aurais pu juste l'appeler apart swlab. On va dire que c'est une déformation professionnelle. Tiens, il y en a un qui a proposé... Bah justement, Kitor Sosé qui avait proposé la commande show log. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ouais, il y a pas mal de choses. Déformation pro. tiens, d'ailleurs, on peut voir que là, on voit des numéros de trucs avec des links down. On peut effectivement faire un show interface. Pour voir comment ça, ah oui, status, pardon. Et là on a tout de suite la liste des ports physiques, des interfaces, pardon, des interfaces physiques, et on peut voir que pour le moment, bah, le switch n'est branché à rien. L'une des petites expériences que j'ai envie de faire, juste pour voir si c'est possible, en fait, je voudrais relier à un moment mon switch perso. Enfin, mon switch perso, mon switch HP, avec ce switch-là, via, non pas un câble RJ45, mais via de la fibre. Alors, je pense que ici, vous connaissez toutes et tous, vous connaissez Yves Rougy, aka Yorzian sur Twitch, qui a fait des vidéos, d'ailleurs, où il montrait de la fibre. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de faire un shootout à Rancune, et je ne l'ai pas fait. Hop, voilà, ça c'est fait. Je me disais, tiens, je parle de Yves, j'étais en train de me dire... Hop. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen que je teste ça maintenant? Et que je vois si sur mon bon vieux HP, ça passe. 660, tac, 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 201, voilà. Donc, pour le moment, si je reprends, je viens de me reconnecter à nouveau à mon switch HP. Voilà. Et donc, peut-être un peu très zoomé, mais on va faire comme ça. Voilà. Et on peut voir ici, alors. Le switch HP, il partage ses ports fibre avec ses ports cuivre. Donc il faut que je le branche vraiment sur le port 24. Je vais peut-être le dézoomer un peu, voilà. Donc il faut que je me mette sur le port 24, parce que là il y a écrit 23-24, 23-24.
Allons-y. Alors, je vais commencer par... Il va me falloir un peu de lumière. Je sais pas si ça vaut le coup que je mette la webcam. Par contre, je peux vous le dire que ça valait le coup que je rajoute la lumière du téléphone. Et vous savez quoi? Je vais rajouter la webcam. Tant qu'à faire, comme ça au moins, vous aurez de l'image. Hop, allez. Je la mets comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a presque une belle vue, dites donc. Allez. Est-ce que je vais commencer? Je pense que je vais tout de suite les mettre. Alors, idéalement, il aurait fallu que je nettoie les fibres, des trucs comme ça. C'est hot comme cam quand même. Liaison fibre en monomode. Bonne question. Je crois pas. Alors, ce que je ne vois pas, bien entendu, c'est dans quel sens est le de voir les câbles réseau. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit ma main. Vu la couleur, c'est du multimode. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, j'ai pas l'impression de l'avoir mis à l'envers, le SFP+, c'est cool. Et on va mettre le deuxième.
Hop, allons-y. Et vous pouvez voir ici. Oui, c'est du SFP+, Alain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai un 100 mégas, enfin 1000 mégas full duplex qui s'est allumé. En tout cas, le ProCurve, il voit que ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Gigabit 27 qui est présent, 1000 bases SX, status forwarding. Ça, c'est plutôt cool. Media change from copper media to fiber media and port. Oh, la classe. Oh, c'est cool, ça. Donc, si je refais un show running config interface, ah non, c'est show interface status. Voilà. Donc là, maintenant, on a ici le combo qui est indiqué bien en full. Je croyais qu'il n'y avait que du SFP sur ces switches SG. Bah je crois que c'est du SFP+, maintenant. Woot, le gars, il a la fibre en interne dans sa baie atome. Merci, The. Ceci étant, on peut jeter un œil. Normalement, on doit avoir quelque part dans les informations downloads. Donc, on a dit que c'était un 20, un 28. Complètement HS, mais ça fait une heure que GitHub est en rade. Il y a tout l'internet qui va tomber. Ah! J'ai branché un switch, GitHub est en rade. C'est mauvais signe. 28, 28. SFP 300, 1100. Ce serait lequel? SG328, port gigabit. À moins que ce soit 28 SFP. Si je refais un show vert. Non, hardware version, il ne me dit pas. Show. J'ai pas de show hardware. Hein. Non. Et le show CPU, non, c'était autre chose. Qu'est-ce qu'on avait dans les. Show inventory, tiens. Alors, c'est un SG328. G328, voilà, c'est ça. Mais ce que j'aurais aimé, c'est pas avoir les firmware, c'est avoir les specs. Modèle comparaison. Peut-être jeter un œil à ça. Document, datasheet, product information, c'est pas mal ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une comparaison entre les. Hop. SG328. Alors, lui, il promet switching capacity. Lui, il me promet 56 gigabits seconde. C'est pas mal. Layer 2. Layer 3, sécurité, qualité de service, standard, IPv6. Sérieux, je peux faire d'IPv6 dessus? Oh là là. Management. Ok. Firmware upgrade, bon, ça on le sait. Port mirroring. Ah, ça va être chouette, on pourra faire du port mirroring. VLAN mirroring, DHCP. Oh, tiens, on peut faire des jumbo frames. Alors, le SG300. Le SG328 n'est pas PoE. Worst case, tiens, consommation électrique. Le SG300 en 28. C'est 70 quoi? 70 watts? Ah non, c'est dissipation de chaleur, mais c'est toujours pas ça que je cherche. Je crois que j'ai jamais fait de jumbo frames. J'en ai fait un petit peu pour bidouiller. Parce que mon NAS et mon PC, là, le PC de stream,
sont reliés ensemble en 10 gigas. Et je m'étais rendu compte que si je faisais pas de jumbo frames, j'atteignais pas les 10 gigas sur les interfaces. Je lançais genre un iPerf, il moulinait à peut-être 3-4 gigas. Et à partir du moment où je passais en jumbo frames, il envoyait à 10G. Bouton reset, ouais, ok. Packet buffer, non, c'est toujours pas ça que je cherche. Ah, voilà. Les modules SFP supportés. Ah, c'est écrit SFP, pas SFP+. Alors, faut les activer où pour que ça marche? Quel impact pour le reste? Alors, je t'avoue que je ne sais plus. Surtout qu'en plus, moi, je suis sous Fedora, donc j'ai dû les activer avec Network Manager. Et comme en plus, là, j'ai un peu dézingué les interfaces, j'ai pas de configuration fonctionnelle à te montrer. Sur quel équipement? Alors... généralement, quand tu dois activer les jumbo frames, tu dois l'activer sur tout un réseau. C'est-à-dire que tu vas activer les jumbo frames non seulement sur tous les hôtes de ton réseau, mais je crois aussi sur le switch. Et donc le SG300. Alors le SG300, il a des ventilateurs. Ah non, tiens, il est fanless. Cool. Non, ça reste. Étant donné que c'est au niveau Ethernet, étant donné que t'es au niveau Ethernet pour les jumbo frames, tu es. Si t'as un routeur. De toute façon, tu vas avoir une coupure et si le routeur il est en jumbo frames sur ton LAN mais pas en jumbo frames sur le reste, c'est pas gênant. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est on peut aller jeter un œil. Je crois qu'il y a une page Wikipédia là-dessus. Trame géante, j'aime beaucoup. Hop. Et en anglais, ça donne quoi? Ah, je vous le copie-colle dans le chat. Hop. Hop là. Ah tiens, c'est marrant ça. La standardisation de l'I3E ne reconnaît pas les jumbo frames dans la mesure où elle menace l'interopérabilité avec les réseaux de type anneau à jetons et Wi-Fi. La présence de jumbo frames peut aussi entraîner une latence plus élevée sur des réseaux à faible débit car leur durée d'émission est plus grande. Bah oui, parce qu'on se retrouve avec un MTU à 9000 octets en fait. Et la taille de 9000 octets trouve son origine dans les discussions entre les opérateurs d'Internet 2 et les gestionnaires du réseau du gouvernement américain. Certains fournisseurs ont ensuite aligné leurs offres sur cette taille. Et voilà. Donc, il faut que le MTU soit identique dans tous les autres dans le même sous-réseau. Les autres qui font usage de Jumbo Frames ne devraient donc pas être dans le même sous-réseau que des autres qui ne les prennent pas en charge. En pratique, les équipements modernes savent utiliser des Jumbo Frames pouvant dépasser les 9000 octets de données. Ah bon ? Sous réserve de configuration locale spécifique. Le champ longueur des trames 802.3 ne peut dépasser 1500, sous peine d'être reconnu comme des trames Ethernet 2, ce qui les empêche apparemment d'utiliser des jumbo frames. Une proposition pour résoudre ce conflit est d'utiliser EtherType spécial. Ok. Voili voilou pour les questions sur les jumbo frames. La page Wikipédia est assez... Est-ce qu'il y a des informations là-dessus? Sur la page Wikipédia en anglais. Après, honnêtement, sur des réseaux, alors, ils parlent des réseaux Fast Ethernet.
et gigabits. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème à atteindre 100 mégas ou 1 giga sans activer les jumbo frames. Je sais pas si ce serait utile sur un réseau en 100 meg ou sur un réseau en giga d'activer les jumbo frames. Je vois pas dans quel cas de figure, mais c'est peut-être que je l'ai jamais rencontré tout simplement. Bon, en attendant, je suis content parce que moi j'ai relié mes deux switches ensemble. Si je fais un show interface status, est-ce que je peux rajouter? Ouais, je peux rajouter l'interface et aujourd'hui l'interface c'est GI27. Tac, comme ça c'est plus simple. Par contre, speed non négocié. Et si jamais je veux voir la configuration de mon interface, je peux faire un show running config interface GI27. MT configuration, ok. Il faut les activer pour de l'ISCSI, ça améliore les perfs. Ah, d'accord. Alors je t'avoue que j'ai fait joujou avec de l'ISCSI il y a quelques années sur mon petit LAN là comme ça pour le fun. Je sais pas comment j'aurais pu faire en sorte que... Alors, remarque, c'était avec des VM vers le NAS. Si j'avais dû passer sur des jumbo frames, ça aurait été compliqué. Si, si, déjà fait sur des liens giga, dans mon cas, c'est parce que je fais passer du MPLS dedans. Donc, surcharge d'en-tête, donc besoin des jumbo pour compenser et avoir un MTU correct pour les services construits dessus. Ah ! Et comme dit Alain B, pour de l'ISCSI aussi, c'est dans les préco-constructeurs d'ailleurs la plupart du temps. Ah ! Ah bah oui, carrément dans ce cas-là. Effectivement, bah vous voyez, je suis content. Aujourd'hui, j'ai appris des trucs. Effectivement, je pensais pas forcément à l'ISCSI, mais au MPLS. Je pense que j'en ai pas fait assez pour avoir ce genre de... Tu peux montrer si le show CDP Ney arrive à avoir le Cisco ou voit le HP. Ah bah pourquoi pas, tiens. Alors, show CDP... Alors, si, CDP est encore... hop, neighbors. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais par contre, de mémoire, le Cisco Discovery Protocol, donc c'est donc spécifique à Cisco, mais il y a un autre, protocole qui est normalement un peu interopérable, et je crois que c'est le LLDP. Et là, tu vois, système NEM Cabestan. Donc il voit mon switch. Et normalement, capabilities B bridge. Donc pour lui, il voit que c'est un bridge. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un show IP. Est-ce qu'on peut faire un show IP? Est-ce qu'on peut voir un truc? Ouais, si, show IP. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Si je fais un show IP route, tiens. Eh ben, il voit mon réseau. Il voit là. Ah, bah oui. Normalement, si je fais un show IP, est-ce que je fais un interface? Si je fais, non, show IP DHCP, tiens. Non, donc il n'a pas de serveur DHCP, ok. Mais si je fais interface VLAN 1, et donc il a récupéré une IP via mon serveur DHCP. Donc mon switch est maintenant joignable dans mon réseau, parce que par défaut, chez Cisco, on a une interface. Enfin, en tout cas, on a une IP quand le truc est en DHCP par défaut. Plus tard. Donc voilà, finalement, bah, le Cisco voit le HP. Et ça, c'est cool. Bon, on n'est pas non plus allé très très loin, mais je trouve qu'on a fait des trucs marrants jusqu'à maintenant. Ce que je pourrais tenter de faire... Ah oui, d'accord, c'est parce que je me suis délogué qu'il est, il est pas content. Hop. Tac. Ah oui, il prend un peu son temps hein, pour se...
D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai moyen... Ah bah tiens, LLDP Statistics. Allez. Voilà. Marrant. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer là-dedans? Alors à la limite, je crois que j'avais fait des configs au niveau VLAN. J'avais fait des configs sur le HP. J'avais laissé 1 et 6. Ok. C'est une vieille config que j'ai. Ok, bon. On va peut-être pas commencer à configurer des VLAN alors qu'on touche à la fin du stream. Mais déjà, je dois vous avouer que je me posais la question de si mes deux équipements se verraient avec la fibre. Et ils se voient avec la fibre. Je suis dans un appartement, donc j'ai pas vraiment d'intérêt dans l'immédiat de tirer une fibre d'un bout à l'autre de l'appart. Mais c'est amusant. C'est amusant à savoir. Je pourrais faire la même avec du RJ45 dans l'immédiat, mais je peux le faire aussi en fibre. Je suis en train de me demander s'il y a des choses... Ah si, bah tiens, maintenant qu'il a une IP. Maintenant qu'il a une IP, et avant de finir... Et de toute façon, pourquoi pas. Ah bah complètement, là, honnêtement, là, ce stream-là était vraiment en mode découverte et bidouille. Redécouverte et bidouille. Il y a un truc que je voudrais vous montrer aussi. On va voir ça après. On va aller en configure. IP, HTTP, serveur. Ouais, c'est ça, just for the lulz. Tu as souvenir d'une interface web sur Cisco? Eh ben justement, Nesquik. Hop. Alors, on va revenir là. Si je fais un show, si c'est 6213. Hop. En toute logique, je dois pouvoir faire ça. Voilà. Username admin. On va le laisser en anglais, parce qu'on n'a pas le choix. Login. Alors, je vais rester en HTTP et pas en HTTPS, parce qu'à mon avis, les ciphers HTTPS, ça doit être la ruine. Ok. Mais c'est qu'elle est presque pas dégueu, l'interface. C'est bizarre, j'avais des souvenirs de trucs beaucoup plus roots. Est-ce qu'on a des trucs marrants? Initial setup, ok. Device status, système summary. Oui, sur les SG, ça va, c'est sympathique l'UI web. Merci. Mais c'est bizarre, je pense que la dernière fois que j'avais regardé une interface web, vous avez eu le bruit de la mobilette derrière ou pas? J'ai laissé la fenêtre ouverte. Ah mince. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce que j'avais pas envie de crever de chaud ce soir. Mais en fait, ça veut dire qu'il vaudra peut-être mieux que je referme quand je stream pour éviter les bruits de la rue. De toute façon, on est en fin de stream, c'est un peu tard que je m'en inquiète. Mais voilà, alors, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à découvrir le monde des switches et des routeurs Cisco, je crois que c'était en 2004. Et en 2004, quand j'ai commencé à découvrir la clé Cisco, les trucs comme ça, l'enseignant nous avait dit, bon, les équipements ont une interface web. Mais cette interface web, elle est nulle. Elle est pleine de trous de sécu. Ne l'utilisez jamais. De toute façon, on va apprendre tous les trucs en mode interface ligne de commande. Ah bah, moi, de toute façon, c'était très simple, Nesquik. Je n'ai pas appris l'interface web. À l'époque, j'ai appris, quand j'ai passé le CCNA, c'était que de la CLI.
Donc c'est assez marrant de découvrir, je la découvre hein, en même temps que certains d'entre vous, mais c'est qu'elle est presque, on remarque s'ils l'ont fignolé en 2014... Interface, donc là on peut aller... Si t'as un incident et que tu dois débugger via le port console, t'as plutôt intérêt à connaître ta fille. Oui, je suis assez d'accord, Kitor Sosé. Etherlike, tiens, je connais pas du tout ce truc-là. 802.x, bon, ça on en avait parlé un peu. Hermon, view log, administration, system settings, ok. Login banner, welcome banner, ah ouais. Juste en contrôle de configuration, on pourrait l'utiliser, mais pas pour faire la config. Management interface. Voilà, donc là normalement il doit me dire que voilà, il est en 6213 parce qu'il est en DHCP sur le VLAN numéro 1. Time settings, ok. Discovery, bah voilà, Discovery LLDP. Properties, Discovery CDP, ok. Port management, VLAN management, multicast, configuration IP. Domain name system. Oh bah c'est. Ah, on peut même faire joujou. Alors la question c'est est-ce qu'en SNMP, est-ce qu'il y a moyen de faire du SNMP V3 sur la Web UI? Ou pas. Groupe, user, on ne sait pas préciser. Ouais, il faut bien entendu activer le service. Ok. Et sur Packet Tracer, il n'y avait pas l'UI. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Non, franchement, elle est presque propre, en fait, cette interface. Hein. Elle est presque propre. Ah, tiens, j'ai une vieille version de firmware en backup. Je pourrais peut-être essayer de vous montrer... 1, 3, 5, 58. Ah ouais, effectivement, c'est pas tout jeune. Il faudrait que je m'assure d'avoir un 4, 11, 5 sur les deux... Longue boîte de version, ok. Ça peut être amusant, tiens. Voilà, voilou. Et donc là, normalement, il nous dit juste GE27, si je clique dessus. Alors, si je clique dessus, en fait, il m'ouvre une autre fenêtre. Voilà. Hop. Voilà. Et là, il nous montre tout pour tout le... tout modifier. Ok. C'est cool. C'est très cool tout ça. Bon, est-ce que vous avez envie qu'on en voit plus? Qu'on aille faire joujou, je sais pas moi. J'ai bien envie d'essayer de configurer du... c'est quoi les protected ports? Je ne me rappelle plus, pour être honnête, Kitor Sosé. Je suis même pas sûr de l'avoir su, pour être honnête. Amusant. Hop, allez, chaud, non pas chaud, hop, RS. Là, pourquoi il veut? Voilà. Je crois que je dois avoir un fichier qui. Spanning tree. Ah oui, effectivement, ça doit être ça. Ça doit être ça, effectivement. Ça doit être spanning tree. Oh là là, spanning tree. Oh, j'en fais encore des. Non, non, vous allez me faire faire des cauchemars. Oh là là. Spanning tree. Ah, bon. voilà, les cauchemars. Voilà, on a dit le mot qu'il fallait pas. Spanning tree. Bon. Moi, je me suis bien marré pour ce petit stream. Je sais qu'on n'a pas fait grand-chose, finalement. Mais c'était quand même bien sympa. Est-ce que vous avez envie qu'on continue à faire Mumuse avec ce Switch? Et éventuellement qu'on y branche un truc ou deux, ou qu'on le mette, je sais pas trop comment, mais aussi j'aimerais bien essayer moi de faire de l'agrégat de port, pourquoi pas essayer d'augmenter un peu les débits. Il faudrait aussi que je trouve un moyen à l'occasion de faire un petit peu de benchmark. Je voudrais bien essayer de trouver un moyen
pour faire en sorte de tester avec ce switch-là, pourquoi pas aussi, de tenter de saturer ces interfaces, et ensuite de refaire les benchmarks sur l'autre switch, ça peut être marrant. Bah écoutez, si ça vous botte, de façon générale, je stream les dimanches de 18h à 20h, et puis je stream aussi les jeudis soirs de 20h à... Oh non, pas là, alors la traduction française, mon dieu, oh ze. Tu le fais exprès pour nous... Merci beaucoup pour le follow, Balistrik, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, avant qu'on se quitte et que je vous renvoie très probablement vers, à mon avis, ça va être, ça va être chez Adrien, hein, je pense qu'on va aller après. Hein. Je pense qu'on va aller voir Adrien, ouais, il est en ligne, c'est cool ça. Merci beaucoup pour le follow, Boyd Delo, merci à toi. Ce que je vous propose, c'est que donc, bon, bah, comme d'habitude, on est dimanche, donc on va aller faire un petit raid fort sympathique vers Adrien. Je ne fais pas les mêmes choses les jeudis et les dimanches. Donc pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, habituellement, donc je stream les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Et en fait, j'alterne les sujets. Comme ça, ça m'évite de passer plein de temps sur un sujet et de finir parfois, entre guillemets, alors, je ne vais pas dire burn-out, mais plutôt lassé. Parce que parfois, on a des sujets qui durent un peu. Et donc, si jamais vous me retrouvez jeudi, eh bien, sachez qu'on ne fera pas la même chose. En ce moment, les jeudis, on fait joujou avec des firewalls virtuels. Donc c'est quand même un peu lié réseau en ce moment, on a une grosse thématique réseau, j'ai envie de dire, en ce moment. Et en fait, on fait un peu le jeu des 7 erreurs entre différents logiciels de pare-feu, et on les teste en machine virtuelle. Et donc, on va faire quelques bidouilles réseau pour les prochains streams des dimanches. Avant de vous laisser, petit avertissement, le mois de juin va être très chaotique niveau stream. Je m'explique. Je vais avoir quelques impératifs personnels, rien de grave, je vous rassure, c'est juste genre de la famille qui passe, des événements divers et variés. Donc j'ai démarré un nouveau taf en début d'année, et là je vais faire des roulements d'astreintes. Donc je vais commencer mes premières astreintes au mois de juin. Pour le moment, j'ai posé la question d'ailleurs sur Discord, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu de réponse. N'hésitez pas à me dire, soit sur Discord, d'ailleurs le Discord, l'adresse est là, hop, là plutôt, ou pourquoi pas en commentaire, dans le chat, dites-moi si vous préférez que les semaines d'astreinte, est-ce que vous préférez que je ne stream pas, ou que je stream quand même, en prenant le risque que le stream soit annulé au dernier moment, ou que je l'arrête en plein milieu, ce qui est possible. Et normalement, je crois que le stream du 2 juillet, il va falloir que je le déplace ou que je l'annule. Voilou. Dino qui dit « Repose-toi ». Donc toi, tu préfères que carrément, les semaines où je suis d'astreinte, je vous dis « pas de stream ». Ça peut être une idée. Ok, ah bah écoute, c'est un avis, au moins il y a quelqu'un qui donne un avis. Et c'est très gentil à toi. The, effectivement, bah on pourra se caler en privé. Ça dépend du risque de coup de fil. Oui, je me doute, mais alors comme je vais découvrir, je ne sais pas trop quelles sont les choses qui peuvent arriver. Tout peut arriver en astreinte. J'ai déjà fait des astreintes dans le passé où des fois tout se passe bien et où des fois on passe son temps d'astreinte à répondre à des appels. c'est un peu la joie des astreintes. Voilou. Faut pas que ça te fasse passer un mauvais stream si tu es en stress d'être appelé. Effectivement.
pas la première semaine, et quand tu auras plus d'XP dessus, tu sauras plus à quel point ou non il y a des interruptions. Ok, très bien. Bah écoutez, il y a même qui... Oh non, alors Kitor Sosé, c'est absolument pas mon genre. Je ne provoque pas de panne volontairement. Jamais. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait. Et je touche du bois. Enfin, ce serait quand même assez malhonnête. Bien, et ben je crois qu'on s'est tout dit, ou presque. Pour se retrouver, donc, si jamais vous avez envie qu'on discute entre les streams, et ben, vous avez les réseaux sociaux. Alors, il y a le Discord de la chaîne, ça je vous en ai déjà parlé. Il y a les réseaux sociaux. Alors là, j'ai mis Twitter et Instagram, mais il y a aussi Mastodon. Il y a aussi d'autres choses. Si vous voulez le résumé de tout ça, c'est très simple. Vous faites point d'exclamation socials, comme je le fais là. Et en fait, vous allez sur ma page perso, anotherhomepage.org, et vous allez trouver là-dessus tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a pour qu'on discute ensemble hors live. Voilà, voilà. Bon, on va aller voir Adrien. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon début de semaine. Et je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain. Bye bye! Et n'oubliez pas de rester pour le raid.